Mais attends. C'est lui. Ah oui, c'est lui. Là, il fume. Attends. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo partie 3 avec toujours le Claude que voici. Dans l'ancienne vidéo, c'était une vidéo donc de paramétrage Betaflight et aussi des ESC. Donc j'espère que tous ces deux tutos, partie 1 pour monter le drone et partie 2 pour paramétrer le drone, ça vous a plu, que ça vous a appris des choses, que ça vous a aidé. Et donc la partie 3, on va toujours tester les performances, ça va être plus fun, vraiment. On a pu tester tout à l'heure et là on va refaire des essais en essayant de vraiment de frôler, d'aller dans les arbres, vraiment de le faire un ciné-whoop. Le drone il est juste ici, honnêtement il marche super bien. Alors le problème des ciné-whoop c'est quand vous vous amusez à mettre une grosse batterie, une GoPro, et là les moteurs ils tournent carrément à fond, on se retrouve un petit peu dans une situation où vous voulez en stabiliser, vous êtes comme ça. Voilà, donc carrément c'est, vous mettez énormément de gaz. Donc vous avez plus de puissance, hein. Sachez-le, pour faire du freestyle, c'est la grosse galère. Bon, on est parti pour un premier vol, et ben voilà, allez, on est parti. Comment ça se passe? Dis-nous tout. Alors, moi j'essaye de prendre mon masque. Alors, donc on est ici avec le masque. Johan, reviens vers moi. Viens montrer comment il vole bien là. Elle est super stable. Alors, le problème c'est que ça fait beaucoup de bruit. Au niveau de la réception, c'est pas mal. Les couleurs sont pas mal. Après, le problème c'est qu'avec la GoPro, on a un manque de puissance énorme. Vu que ça pèse tellement lourd, et avec des petites hélices. Approche. Ah, t'as une feuille sur lui. Ok, en arrière, vas-y, donne un. Non, donne pas un coup d'accélération. Là, attention. Là. T'es passé de justesse. Hein. J'ai pas vu. T'es passé vraiment de justesse. Alors, il marche bien. Alors, c'est le problème des ciné-whoop. Si vous voulez, c'est que c'est puissant. Enfin, c'est puissant. C'est qu'on a une super précision. Par contre, on a un genre de tank. Un peu ça, qu'est-ce que ton ressenti, Johan? Ouais. Tu trimbales un truc qui est tout pâteau, c'est lourd, les sensations sont très lourdes. Contrairement aux 5 pouces, on a une sensation de avoir la puissance d'un coup. Oula, oula, oula! Ah, j'ai tout filmé, Johan.
On va le voir. Mon dieu, il n'y a rien du tout, il est juste un peu crade. Alors c'est l'avantage du genre de matos, c'est que bah, avec les protections d'hélice en fait, bah, on risque rien. Mais non mais calme-toi Johan, je suis là. Tu veux pas non plus me couper les doigts pendant que tu y es. Bah, ça va, fait plus de bruit. Donc Yo-Yo vient de faire son petit tour avec son Ishin. Ça marche bien, franchement je l'ai réparé depuis la dernière fois. Il tourne nickel. On va changer d'endroit. On va changer d'endroit pour le petit Claude. Et on va aller dans une zone vraiment sympa, beaucoup plus qu'ici. Ici c'est assez compliqué parce qu'en fait vous avez une zone assez où on a de la, beaucoup de place. Le problème c'est que dès qu'on commence à aller dans les arbres, c'est compliqué parce que c'est vraiment petit. Enfin, vous l'avez bien vu avec les vidéos. On va aller dans une zone où il y a plus de place et l'ambiance est encore plus sympa. Vraiment, vous allez kiffer. Nouvelle zone où il y a beaucoup d'espace, enfin beaucoup d'espace pour un cinewhoop qui est juste ici. Et vous verrez d'autres vidéos, j'ai fait plein de plans ici. Notamment, j'ai cassé un support 3D ici. C'est assez dangereux en 5 pouces. En cinewhoop, ça va être la folie. Ça va être vraiment, ça va être un super plaisir ici. Là, ça fait plaisir. Une petite cabane, il y a une petite mare là-bas. Entre les arbres, c'est assez large. Ils sont hauts, donc on peut aller. Il y a plein de possibilités. Vraiment, ça va être un vrai plaisir. Bon, allez, Yo-Yo, tu décolles ? Vas-y. Je vous mets des images parce que vraiment là c'est vraiment sympa ici, il y a un super temps, il fait un peu chaud mais c'est super, super situation. Là, il fume. Attends. Débranche. Nouveau spot. On va tester. On va toujours commencer à voler. Johan, explique-nous qu'est-ce qui se passe. Claude ne va pas très bien. Il va pas très bien. Qu'est-ce qui lui arrive? Claude, un moteur qui a chauffé, un peu brûlé, un peu trop, commencer à prendre feu. Heureusement qu'on débranche quand ça commence à fumer. Voilà le test du drone. Voilà comment tester. Vous avez un défaut sur votre moteur. Alors si on regarde, ça c'est un moteur qui marche bien, et ça c'est le moteur qui est mort, complètement foutu. En fait, si vous voulez, on branchait, ça tournait et après ça commençait à fumer, ça tournait plus, et voilà, terminé. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai commencé à voler avec. Et j'ai voulu tester un petit peu les throttles pour voir comment ils réagissaient. En mettant à fond, ça tombe que dalle, vraiment, il n'y a pas de puissance. Et pouf, il est tombé, il s'est mis en sécurité. Et après, en restant juste après, je pense qu'on en a fait trop d'un coup. Bah, au moins, on voit une faiblesse d'un moteur. Si votre drone démarre, si vous faites plusieurs vols dans la journée
la première fois et que ça crame comme ça, ça veut dire que vous avez un défaut sur votre moteur et que c'est fini. C'est que là vous pouvez aller dire un nouveau s'il vous plaît, un nouveau. Donc voilà. Il est où le SAV? Le SAV là-haut. Bon, bah je vous dis à la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Et voilà, bah j'espère que ça vous a plu. Johan, un dernier mot pour la fin. Tiens. Voilà, meurs en paix. Voilà, c'était le dernier mot de Johan. Bon, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut! Doesn't really matter, 'cause you're here with me now. It doesn't really matter.